tout le monde, c'est Things43, on se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode 6 de notre Let's Play sur Lego Star Wars, le réveil de la force. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super, donc on en était arrivé là. Il faut notre ami Chewbacca ici. Donc on va continuer notre aventure ensemble. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut qu'on les attaque. De toute façon, on n'a pas trop le choix, vous allez me dire. Ah, faudrait que je branche ma manette en plus. Couchez-toi. Pardon, BB-8. Ah, bien vu l'idée. Voilà, tout simplement. Et donc, il reste que celui qui est juste là. Ah non, il en reste. Hein. Il est où? On casse tout. Ah, t'es là, toi. Couché. C'est bon, problème réglé. Voilà. C'était un câble débranché. Pas exactement. L'hyperdrive a pris un coup pendant le passage en vitesse lumière. Tu peux la réaligner? Bien sûr. Allons-y. Donc c'est par ici. Heureusement qu'il y a les petits points bleus pour savoir où je dois aller, parce que sinon je serais un peu perdu moi. Là. Au besoin, il y a des pièces détachées dans les caisses. Ok. Wow. Comment je dois faire? Ah, peut-être avec BB-8. Non. Je sais pas où je dois aller. Enfin, ce que je dois faire avec ça, je peux. Ah, mais si, je suis bête. Je pense savoir. Eh oui. Non, en fait non. Ah si. Voilà. Pas étonnant que cette épave tombe en morceaux. Hop. Tu peux réaligner et reconnecter l'hyperdrive? T'inquiète, je m'en occupe. Hop, et voilà. C'est tout bon. Bon boulot. Le navire ordinateur devrait être opérationnel. Tu peux t'en assurer? Ah là là. Il peut pas le faire lui. C'est son vaisseau après tout. Hop. Je dois aller où en fait? Attaquons. Bah allez. Château de Maz. Donc c'est parti, j'essaie de faire passer ça. Chapitre 5, Château de Maz. Très bien. Vite, vite, vite. Allez, finir. Allez. Ah mais, voilà. Et tranquille. Vous êtes recherché. Le premier ordre veut la carte de BB-8. Finez dans la résistance. Moi, je ne suis qu'une pieuse d'épave. Voyons ce que t'as. Bah oui, sinon ce serait trop simple. Pourquoi il est parti? Il commençait à former une nouvelle génération de Jedi. Un jour, un jeune apprenti s'est rebellé contre lui et a tout détruit. Les Jedi sont pas une légende? La force, ben les Jedi, absolue. Tout est vrai. C'est notre destination. C'est sans doute la planète la plus verte de toute la galaxie. Ouais, je peux pas faire passer, c'est chiant. Chewie, inspecte le faucon le mieux que tu pourras. Vous voulez envoyer BB-8 à la résistance? Maz Kanata est notre meilleure option. Tu pourrais en avoir besoin.
Solo, ça y est. Déjà pour trouver un transport fiable à votre droïde. Fiable? Tu crois que c'est par chance qu'on a retrouvé le faucon, Chewie et moi? Si on a pu le repérer sur notre radar, le premier ordre ne doit pas être loin. On lui fait confiance, hein? Ah, mais il nous attaque pas! Elle dirige ce point de ravitaillement de. Ah. Ah. On dirait qu'un gros alien voir la porte. À votre avis, le réveil? Fais-toi plaisir. Ah. Quoique, tu tiens vraiment à tes bras. Hop. Hop, allez, on tire ça. Waouh, il dort profondément. Ouais. Complet. Hop là. Rien de tel qu'un jet d'eau en pleine face pour se réveiller. Ah, il faut notre ami BB-8. Hop. Tu sais qu'un canon. Et voilà. Pour fonctionner. Le tuyau est cassé. Il va falloir le réparer. Ah non, mais je suis bête, c'est vrai que ça disait que c'était cassé. Donc non mais réfléchissons, comment on doit faire si je le casse. Et que je le mets là. Ça fait quoi? Voilà. Ah ok, ça enlève juste l'arbre. Ok. Donc au moins pour Ray, elle peut y monter. Hop. Ouais, tout ça pour un mini kit. Ah non, c'est bon. Fallait vraiment que je monte là. Hop. Alors maintenant, hop, on va faire ça. Non, là-bas, voilà. BB-8, à toi de jouer. Voilà. Parfait. Pas content. Wow. Il est vraiment pas du matin celui-là. Maz est connu pour avoir ses têtes. Alors laissez-moi lui parler. Et le plus important, évitez de regarder. Quoi? Hop. Bon, je peux toujours pas passer, c'est chiant. Salut Maz. T'es encore dans le besoin, j'imagine. Comme d'habitude. Maz, j'aimerais que tu transmettes ce droïde à Leia. Non. Il y a beaucoup trop longtemps que tu as déserté la lutte. Vous parlez quelle lutte? Contre le côté obscur. À travers les âges, j'ai vu le mal prendre de nombreuses formes. Mmh. Les Sith, l'Empire. Aujourd'hui, c'est le Premier Ordre. Il n'y a pas de combat contre le Premier Ordre, où il est perdu d'avance. Il faut tous nous enfuir. Tu vois ces deux-là? Moyennant un travail, ils te transporteront à la bordure. Et là, tu pourras disparaître. Je suis pas dans la résistance. Je suis pas un héros. Finn. Le menteur. Hop, allez, on va aller voir. Chaparade la mort, Takagana, dans le haut.
Kafumi de Biga, Shinto Se Masoto. Allez. C'est chaud quand même. Hop. 8. 9 et 10. Voilà. D'accord, je veux bien vous suivre. Allez, donc là, il faut trouver de la viande. Ah bah elle est là. Ok, on se calme. Alors. Voilà, c'est ici. Non mais là il faut bébé 8. Hop. Tac. Voilà, ça c'est fait. Ok. Tac, ici. Voilà. Ah. Hop. Allez, on peut avancer. Et il nous manque juste un gobelet. Alors, ah mais je pense qu'on va laisser ça. Plus de café tant que les réparateurs ne seront pas arrivés. Ça pourrait prendre des minutes, des heures, des années même. Cela dit, ça semble peu probable. Arrête. Hop. Bébé 8. Hop. Salut. Ah ok. C'est ça. Hop. Tac. Et voilà. Quand j'ai besoin, c'est d'une machine à café intelligente. Déjà que le vide ordure fait preuve d'insolence. Je pense qu'il faut que je transforme ça en autre truc, non? Et oui. Mais qu'est-ce que... c'est réparé. Les choses finissent toujours par se réparer d'elles-mêmes quand on les ignore suffisamment longtemps. Venez passer commande, tout le monde. Voilà, on a fait les trois objectifs. Qui est cette fille? Ouais, et moi je dois faire quoi? Hein? Ah. Allez. Oula, il y a beaucoup de droïdes ici. Je ne sais vraiment pas où je vais. Et pourquoi? Couché, toi.
Voilà. Hop. Tiens, BB-8. Voilà. Hop, là-bas au fond. Hop. Voilà. Allez, viens, mon petit. Hop, on le met là. Est-ce que tu peux ouvrir cette porte? Ouais, il peut tout ouvrir, lui. Tac. Et tac. Ah, y'en a encore un. Voilà. Suffisait de demander. Hop, allez. On peut avancer. D'autres vieux droïdes. Pas question de faire demi-tour. Ouf. Aïe. Tout complet, je changerais bien d'avis. D'où ils m'attaquent les droïdes là? Non mais oh. Oh. Tu me touches pas. Je crois pas non. Non mais oh. Je crois qu'on doit passer par là. Tu sais comment l'ouvrir? Tac. Hop. Voilà. Ok, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait à ton avis? Hop. What? Je peux encore retourner. Ah. Je comprends rien. Et si je tourne encore? Ah, t'as compris. Ça se trouve faut que je tourne lui. Enfin, ça se trouve faut que j'arrive à faire en sorte qu'ils soient tous les deux alignés. Hop, on n'y est pas encore. Ah mais oui, je viens de comprendre, c'est bon. Là, je l'ai bloqué. Donc lui, il faut que je le pivote deux fois encore. Hop, voilà. Comme ça. Voilà. Et comme ça, BB-8, il peut attraper ça. Et y mettre du courant. Et voilà. Je vais brancher ma manette avant que ça s'éteigne tout seul. Aïe! Non mais oh. Allez, on avance. Je suis sûr on va retrouver des droïdes. Ok. Là on a, enfin de toute façon on n'a pas Chewbacca.
immense ici. Ce symbole là-haut, il est faux. Hop. Tiens, bébé 8, à toi de jouer. Oui, il manque certaines pièces du mécanisme. Elles sont sûrement dans les parages. Hop. Voilà. Ah, mais il doit manquer des trucs. Hop, si, si, ça doit le casser. Pour le mettre autre part. Ah bah oui, voilà. C'est tout de suite mieux. Hop. Voilà. On a un premier mécanisme ici. J'ai trouvé un rouage. Hop. Ça correspond bien. Parfait. Et maintenant, on la met de l'autre côté. Ah. Ah d'accord. Voilà. What? Ah mais c'est bon, il y a une échelle maintenant. Pas compris. Hop. Je comprends pas. Désolé le droïde. Hop, si je fais ça. Et que je remonte avec elle. Hop. Non mais j'ai pas l'impression que ça fasse quelque chose. Hein. Attendez, je vais faire une ellipse et je vous retrouve tout de suite. Ok, en fait, je suis juste débile parce que je me trompais de... En fait, il fallait que je fasse descendre, pas monter la flèche. Du coup, je suis un peu débile. Sauf qu'après... Hop. Là, je peux rien faire, mais au moins j'ai une échelle qui mène ici. J'ai un oublié par ici, moi. Pff, je comprends rien. Ça, je peux pas m'y agripper, non? Ça serait trop beau. Ah, mais. Ah, bah oui. Forcément. Forcément, forcément. Hop.
Et voilà. Parfait. Pardon les droïdes. Hein. Hop. Et voilà. On ouvre la porte d'ici. C'est parfait. Ah, les droïdes. Non mais oh. Et voilà. Le deuxième rouage. On va pouvoir avancer. Tac. Voilà, ça on peut le recasser. Voilà, hop. Allez bébé 8, à toi de jouer. Et voilà. On touche au but, quel qu'il soit. Ouais. C'est vraiment le bordel ici, n'empêche. Le sable laser. R2D2. Tais-toi. Tais-toi. Chut. Silence. On est vraiment bien chez soi. Disons un quart de portion. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sabre laser appartenait à Luke, et avant lui, à son père. Et maintenant, il t'a choisi à ton tour. Il faut que je reparte sur Jakku. Ma chère enfant, je le vois dans tes yeux. Ce qui te manque tant n'est pas derrière toi. Il est ta famille. Le sabre, prends-le. Jamais plus je ne touche. Je n'ai rien à voir. Oh là là. Cette journée verra la fin de la République. Je crois pas, non. Les machines que nous avons conçues aboutissent de brillantes recherches à nous permettre d'anéantir le Sénat galactique. Tous les autres systèmes se soumettront au premier ordre. Wow. Ah, punaise. Ils ont tous fait exploser les méchants. Et voilà, donc c'est la fin de cet épisode. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.